Bon, le set va commencer. Je n'ai vraiment pas vu le stage, donc on va découvrir ensemble. Et c'est sur DF. Étonnant comme choix. J'imagine que c'est le choix de lapin. Du coup, ça cherche du haut de compte comme d'habitude, il reste en retrait. DSS qui essaye de chercher quand même. Oui, c'est ça. Premier pourcentage mis de la part de lapin. Oui. Oui. Et si je suis accompagné de la part de Nibodax. Dis oui. Bonjour Nibodax. Bonjour. Voilà. C'est moi. C'est lui. Le Nibodax qui a fait 49e au Temple. Ouais. Le soleil l'unique. Oui. Oui. Malheureusement, qui a perdu contre Ryukai en 3-2. Oui. Oui. Ta gueule. Mais t'inquiète, la prochaine fois tu l'auras. Ah, mais oui, mais si, c'est la paix, c'est le projectile, et oui, tous les projectiles. Oui, tous les projectiles de Cut, ils sont trop forts. Et il recouvre pas, le leg strapping. Oui, le leg strapping, c'est la part de lapin. He's doing some fucking sick shit, oh, though. Oh, c'est très sick, hein, c'est très sexy. Je suis mal à la tête, hein. comme dirait Foster, c'est très sexy. Oh. C'est bref, c'est incroyable. La première stock prise par... Maybe. Okay. La première stock qui a été prise par lapin, assez... Enfin, assez rapidement pour un duck-cut, j'ai envie de dire. On a un bon strap... le strap edge guard qui a été très bien trouvé de sa part. Oui, qu'il doit... Oui, qu'il doit se réveiller. The fucking people film this one which accommodated, that's what it would be like. Huh? What? Beats Mario? Mario beats Bowser? Because like, yeah then. Because in the lore, Mario beats Bowser. Yes. Yeah, yeah. And Peach is weak. She sucks. She sucks cause she always gets kidnapped. Yes. Yeah, and she's in the castle, hein, donc voilà. No, she's in the other castle. Ah oui, Nunnunder Castle, that's the Mario Bros référence. Oh, Mario Bros. Non, jure. Mario Bros, actually, but... Bref, on va arrêter de parler de l'or de Mario, on va continuer à commenter le match. Qui est ton grave avantage pour Lapin, qui est à 3 stocks à 98%. Oh, il a et... un ledge. Oh mon dieu, il et fait du coup, oui, qui se fait un petit peu, j'ai pas envie de le dire, mais un petit peu malaxé, éclaté. Malaxé. Aïe, 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 aïe. C'est parce qu'on est dans la chaîne belge et que je suis en train de commenter, mais sinon j'aurais dit qu'il est en train de prendre la pierre en pleine face. Oh, il remonte. Oh non, ok, il remonte. Il remonte. Il a quand même pris la stock de l'honneur. Mais il avait pris de l'edge ou pas? Oui, ou oui. La non, 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 il a pris d'edge, mais on va dire qu'il a pris la stock de l'honneur. Bravo. Donc c'est 1-0 pour Lapin sur DF. C'est justement pour ça que j'étais étonné de voir le choix du stage du premier match. Putain, je sais pas c'est qui a laissé DF, mais c'était un petit peu... Un coup foireux, ça. Un coup franc, j'ai envie de dire. C'est un petit coup franc. J'imagine que c'est Wink qui a laissé DF, parce que si c'est Wink qui a pris DF, j'ai des questions à me poser. Mais Lapin, c'est pas un ancien liégeois de base. Oui, il est liégeois qui a été vivre au Portugal pendant quelques années, j'imagine deux ou trois. Deux ans, oui. Deux ans en Portugal. Et qui est revenu en force, comme on peut voir. En Belgique, en force. Oui, en Belgique. En force, quoi. Oui, en force. Fort. Oui, en force. Non, en force. Qui est revenu en Belgique en force. Et apprend des parties de son histoire. À ce alors qu'entre nous, avant qu'elle aille au Portugal, il était vraiment rincé. Mais maintenant, on voit qu'il s'est vraiment amélioré. Bon, bah, il est temps de faire un petit tour au Portugal, hein, je pense. Bah, c'est bien, mais après, il n'y a pas une grande scène. Je pense que la Belgique est meilleure dans tous les cas. Jure. Je pense. Tu penses? Oui. Après, ça dit la Belgique, pire des pays, mais il y a le Portugal à côté qui est pas fameux. Ça va. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'est pas fameux parce que. Laisse un bout. Prends le reste. Deuxième match sur Kalos. La canette, il fait des setups avec la canette. Genre, par contre, il le met sur Kalos, c'est terminé. Genre, regarde le setup qu'il fait avec la canette. En gros, tu peux caler sur la canette. Il fait plein de trucs avec la canette. Tu vois, il fait plein de trucs. Les premiers 50% trouvés par Lapin. Wink qui est vraiment perdu. Ça se voit qu'il est perdu dans le match-up.
Mais disons que tout le monde serait perdu hein, dans son cas parce que c'est un petit peu sombre. Hein, et après, je pense que Lapin. Lapin connaît bien le match-up ZSS parce que j'ai l'impression qu'il, enfin, je pense qu'il y a un bon joueur de ZSS en Portugal. Je suis pas sûr. Il faudrait qu'on le confirme. Il s'amuse. Mais ça se voit qu'il connaît bien son perso. Il est en train de se taper son meilleur foot avec sa canette, c'est incroyable. Oh là là, il est en train de prendre la purée en pleine face, c'est une dinguerie, c'est un truc de malade. Je pense qu'il a léché deux canettes de The Cunt, hein, c'est pas possible. Voilà, mais allez. Tout n'est pas joué, c'est en BO5. C'est en BO5, mais j'ai l'impression que ça va être le BO5 le plus rapide qu'on a vu dans ce stream. Malgré que ce soit dur de Cunt en face. Mais il s'amuse vraiment, hein. Genre il joue à son propre jeu, il s'amuse trop bien. Et pourtant, il joue à son propre jeu, mais il joue très très bien. Ça, il n'y a vraiment rien à dire. Là, Wink, malgré lui, il essaie ce qu'il peut, mais... C'est pas facile. Hein, comme match-up. C'est pas simple. Déjà, le match-up, je pense qu'il... Déjà, ce match-up, quand tu le connais, il est chiant, mais alors quand tu le connais pas... He's getting fucked. Yeah, in the ass, context. Mais quand tu le connais pas, c'est encore pire. He's doing, like, he's doing trick shots, hein. See? Oh my fucking god. He's playing FIFA. Et ça se voit qu'il est perdu, hein. Can we, like, make a montage? With a 360 no-scope? Mom, get the camera! Let's go back to 2011. Oh, c'est... Il connaît très bien son perso. Oh! Il a très bon confirme. Il joue au foot, il fait son meilleur foot, c'est pas possible. This guy should be on FIFA in Smash Bros. What the fuck? He's breaking his ankles. Il a le jeton qui était pris. Like, what the fuck am I watching? What am I witnessing? Oui, qui a pris la première stock. Il est mort. Il a pris la première stock. Et peut-être pas la dernière. Peut-être que d'ici la fin du set, il va avoir la réponse qu'il faut. Duncan looks so fun. Parce que là, j'ai l'impression que... Là, j'ai l'impression que oui, qu'il a un questionnaire devant lui, mais il a rempli aucune question. Ah, il a rendu feuille blanche, hein, j'ai l'impression. Là, c'est plus que feuille blanche. Là, il a mis que son nom et prénom. Il a signé, frère. Il a mis que CNK Wink, c'est tout. Et je pense que même au Wink, il a mal écrit. Je pense qu'il a écrit Wink avec un Q et pas avec un K. Oh, ta gueule. Mais bref, ça c'est pas la question, mais voilà. C'est le jeu de duo de Cut. Il joue tranquillement, il joue posé. C'est ça le problème de Wink, c'est qu'il est trop lapin à jouer son jeu. Et en plus, il prend des stages qui sont... Pas avantageux pour lui. Non, du tout. Mais je pense qu'il a pris le même stage, hein, d'ailleurs, ici. Ouais, il a pris... avec le stage qu'il a fait, et ça, on dirait qu'il a pris encore Kalos. C'est 2-0, d'ailleurs. C'est 2-0, oui, pardon. J'ai pas mis le score. Je suis vraiment désolé. John Gabonito. John Gabonito. C'est quoi, ça? C'est en portugais. Joue des jeux jolis, des jeux... Des bons Lapin. Jeux. Il y a un gars qui a dit Joga Bonito. C'est quoi? Joga Bonito. Ah, ça va être les mots à ça, Portugal. Bah ouais. Les vrais Portuguese, mon gars. Three Portuguese guys. Poggers in the chat. C'est qui a dit ça? League Main 1. Ok. Tu le connais? Je connais, je vois qui c'est. Raymond 2. Mais ta gueule, t'as demandé. Vas-y. Can we get a Poggers in the chat for Lapin? Pour Lapin, 2-0 pour Lapin et troisième match sur Kalos. C'est déjà, c'est un principal souci de prendre Kalos contre The Cunt. Ah non, DF. C'est pareil, comme au premier match, ça va être un presque 3 stocks. Enfin, on n'espère pas. On n'espère pas pour Wink. Pour notre ZSS national. Pas international, mais que national. On a une ZSS national, international, d'ailleurs. Non. Si, à moi. Ah oui, pardon. Non, on a Dash Prof. C'est vrai. En France, c'est en Belgique, du coup. Oh, yeah. Un petit bisou au gros Dash Prof. On salue, même si je doute qu'il regarde ce stream.
et qui nous salue back aussi. Putain. Je suis trop triste à fond, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là, c'est un petit peu plus serré qu'avant. C'est un peu plus even, hein, mais Wink a even. Vraiment du mal à retrouver ce center stage. Oui. What? C'est dommage, Lightbox de la canne qui n'est pas vraiment la canne qui a touché. J'ai pas sa vue, mais la spinning animation, hein. Oui, c'est impeccable. C'est impeccable, hein. Oh putain, il est en train de faire des dingueries, je te jure. C'est, en vrai, c'est pas, c'est beau à voir, en vrai. Bah, quand c'est bien joué, un Duncan, c'est beau à voir. Malheureusement, il y en a pas beaucoup qui savent bien jouer. Ah, la stock est prise, ouais. Qui est bien prise de la part de Wink. Enfin, c'est son premier avantage de tout le set. Donc on verra comment ça va se débrouiller. Hein. Là, j'ai l'impression que Wink, il a des réponses. Jouer. Oh, il ne laisse plus trop jouer au jeu. Hein. Là, c'est bon. Là, il a commencé à comprendre le jeu. Mais après, FD, c'est peut-être une map qui est un petit peu meilleure pour Duck Hunt, mais pas aussi bien que Kalos. Hein. C'est une petite map en soi. Oui. Il n'a pas le temps de... Ah, malheureusement, le trade. Hein. La canne qui est frame 1, on le rappelle. Frame 1, mais putain. Enfin, elle sort frame 1. Elle sort frame 1, du coup, c'est un mot qu'on voit avec. Et c'est ce qui s'est passé là maintenant avec la stock de Wink. Oh, la canne qui a sauvé. Justement, parce qu'il s'est pris le backer et il allait mourir. C'est vraiment, ça n'a pas l'air marrant hein, comme match-up en vrai. C'est vraiment pas marrant. Hier même, j'ai joué contre un Duck Hunt, il s'appelle Oshi. C'est un petit nouveau et franchement, il est... Oshi était. J'ai pensé bref, à ça. Je disais, j'ai joué contre Oshi et franchement, il se débrouille bien. Et c'était vraiment pas marrant à affronter. Il se débrouillait bien, mais c'est chiant. Bah justement, parce qu'il se débrouillait bien, c'était chiant. Mais Lapin qui... Qui est en train de gratter, hein, qui remonte petit à petit. Bah, avec un net avantage de position. Il a bien remonté. Là, c'est lui qui a des avantages. Enfin... Ouais, on disait ça il y a deux secondes, mais oui. Voilà. Hein, il prend la stock comme si de rien n'était. Avec le side B qui était très bien trouvé. Il faut de sa gratouille, hein, c'est là oui, là oui qu'il doit gratter pendant que le lapin il doit chercher tuer. L'ouverture. Lapin, enfin, Dieu de Kent qui a des combos que je ne connais pas, donc je sais pas avec quoi il peut tuer. À part le backer, le down B, le B neutral. Et des combos à base de grab canne. Grab canne, c'est vrai ça. Le père il tue aussi, donc sur un call-out, ça peut vite partir. Et si je dis pas de conneries, le rap lui tue aussi. Wow. En tout cas, ce pourcentage-là, il y a moyen. Mais ne faites pas trop attention à ce que je dis par rapport à ça. Oh, il a essayé de call-out sur le père, hein, mais ça n'a pas trouvé. Oh, ah, dommage. La cam qui sauve vraiment de tout. Hein. C'est une petite assurance vie, cette merde. Là, c'est il stocke partout. Mais Wink, il joue vraiment bien le match-up, hein, je trouve. C'est potentiellement une balle de maths pour Lapin. Sauf que l'avantage ici est bien pour Wink. 137% à 12%. 152. La prochaine canne, normalement, elle tue. Tu penses? Non. Et Maxi Stool. Ah. Oh, quoi? Ah, dommage. Mais il reviendra pas, hein. Il a plus d'air. Si, il revient. Il revient? Si, il revient. Là, il revient pas. What? Il a aidé. Le fer qui a pas connect, hein. Non, my character doesn't work, comme dirait un certain joueur. Oh, ça poke? Non, il a. Je sais pas si c'est un shield poke, mais je pense qu'il a juste lâché le shield au dernier moment. Là, c'est 2-1 pour Wink. Wink qui a trouvé des réponses pour non, ce match-up. 2-1 pour Wink. 2-1 pour Lapin. 2-1 pour Lapin, pardon. Oh, hein. Je suis désolé, je m'excuse si vous voulez me cancel, c'est pas grave. Mais bref, je disais. Oh, Wink a trouvé des réponses au match-up. Je vais tuer les joueurs. Pourquoi? Ah, ils ont pas de son! Putain, toujours toi!
Vous avez pas de sang en stream. Vous, chers spectateurs, est-ce que vous avez eu du sang pendant le set ou bien pas du tout? Parce que nous, on vient de se rendre compte qu'il y avait un petit souci avec la suite. Donc, si vous pouvez nous éclaircir par rapport à ça, ce serait bien. Il a du sang ou pas, du coup, en stream? Quoi? Il a du sang maintenant. Non, mais, non, mais avant. Non, avant, non. Ah, dommage. 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 Mais avant? Yacine, mais genre avant game 1, 2, 3. Bref. Quatrième match sur Yoshi's Story. Yoshi's Story qui est le choix de lapin cette fois-ci. C'est quoi? Une demi-heure après ce match. Ok, bah du coup, après ce set, il y aura une pause d'une demi-heure que, en connaissant le sens, ça va se finir en pause d'une heure et demie, juste avant le top 8. Bien dit! Bien joué, King! Mais bref. Ah, maintenant, oui, on entend. Donc, avant, il n'y a pas le son du jeu. Très, très bien. Je suis arrivé pour un game 2. Mais... oh, il y a un autre, oui. Mais bref, là, c'est avantage pour lapin 100% à... 100% à 50%, 58%. Là, ça malheureusement. Oh, la stock a été prise de la part de lapin, pour mes stocks de ce potentiellement dernier match. Malheureusement, le PR qui a pas connecté 3 fois de suite, c'est vraiment trop triste de la part de lapin. Bref, on m'a laissé tout seul le commentaire, donc on va essayer d'animer le truc. Mais ouais, là. Là c'est reparti, oui qu'il est à nouveau perdu, je pensais qu'il avait trouvé la réponse, mais c'était pas vraiment le cas. Après c'est peut-être dû au stage. Un très bon counter-truc de... Et si c'est le cas, c'était un très bon counter-truc de la part de la panne, d'avoir si... Gérard, t'es quoi là? Ça fait 1 minute 30, il est déjà à 151% sur sa deuxième stock. Ouais, c'est ça, c'est juste qu'il se fait rafaler. Crucifié. Il en prend pas assez dur, oui. 3 stocks 80%, enfin 90% pardon, contre 1 stock à 0%. Wick qui doit se réveiller s'il veut avoir une chance de remonter. 45%, ce combo qui était très très bien trouvé de la part de lapin. C'était side bait dans ce match, très bien. Merbaker qui a été raté de la part de Wick. Les cannes qui sont toujours aussi chiantes, mine de rien. Quand c'est pas fini, hein, Wink. C'est pas fini, malheureusement. On peut toujours y croire, mais enfin, j'y crois de moins en moins. On y croit, mais il y a quand même le petit doute de la stock était plus. Donc là, c'est un petit peu compliqué pour Wink. Franchement, ça me fait trop de la peine. Franchement, ça me fait de la peine de voir cette galère comme ça, même si c'est un perso un petit peu chiant. Elle mérite quand même. Elle mérite, mais pas à ce point. Oh, non, yo. Non, vraiment, elle mérite, mais pas comme ça, not like this. Mais ouais, franchement, là, oui. Le lapin qui cherche à tuer, enfin, normal, c'est un peu le but du jeu. Cherche à tuer la canne. Bonne DI quand même. Bonne dérobade. Bonne dérobade de la part de Wick qui est pas mort sur cette canne à 165%. Dérobade extérieure. Hein. La canne, la dernière canne qui a fini. Très bien joué pour Lapin. Donc c'est 3-1 pour Lapin. Et comme on vous a dit, il y aura une petite pause d'une demi-heure. Normalement, c'est une demi-heure avant le top 8. Donc on se voit dans une demi-heure. Ciao.